Et hey, yo à tous, c'est Script et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale vu que c'est sur le jeu Modern Combat Black Pegasus sur iTouch, iPhone, iPad. Donc c'est un jeu sur lequel j'ai vraiment kické et sur lequel j'avais déjà fait une vidéo sur mon ancienne chaîne Scriptable avant de rejoindre Empire Wind, parce que c'est vraiment un jeu, comment dire, très attractif, parce que c'est... On pourrait bien vraiment l'appeler le Call of Duty de l'iOS. Et c'est vraiment un très bon jeu. Donc déjà, je peux vous dire que je suis sur la même carte. Hein, je ne sais plus vraiment le nom en plus. Et que ce jeu, il est pas facile à maîtriser. Donc je m'excuse si le score ne vous convient pas. Même si je suis dans le positif, ce qui est le plus important. Je suis niveau 39 sur ce jeu. J'y joue plus trop, à part pour faire des petits gameplays comme ça. Sinon ouais hein, comme je le dis, j'y joue plus. Sinon quoi d'autre, ben nous en sommes à 32 abonnés à l'heure où je commente ce gameplay, sachant que le gameplay j'ai dû le faire hier ou avant hier, je sais plus, et que je le dirai, enfin voilà quoi, je filme sur mon iPhone, non là j'ai joué sur mon iTouch, sur mon iTouch j'ai joué, je préfère consacrer mon iTouch au jeu et mon iPhone à tout ce qu'il reste hein, tout simplement. Quoi d'autre oui donc c'est bientôt la rentrée hein, comme beaucoup l'ont remarqué, dans une semaine c'est la rentrée, car moi je commente le mardi et je reprends le mardi prochain le 4 quoi, je reprends comme je pense la plupart des gens, et la rentrée s'avère que je pourrais plus trop utiliser mon ordi et bref voilà, et je compte vraiment comment dire j'ai pas envie de dire que je vais que faire des vidéos sur mon iTouch, mais je vais beaucoup en faire. Ce sera peut-être la plupart de mes vidéos que je ferai, à part celles que j'ai fait en avance, comme Minecraft Hardcore. Script fait du hard. Sinon, ouais, ce seront des vidéos sur iTouch. Et je m'en excuse si ça vous plaît pas pour ceux qui n'ont pas d'iTouch ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas vraiment le choix. Ce sera mon seul outil de vidéo. Et je pourrais vraiment faire que avec ça. C'est un peu ce que je faisais avant sur Scriptable, j'avais aussi pas mon ordi, hein. Enfin je l'ai mais je peux pas l'utiliser, hein. Voilà quoi, j'ai pas développé, faut que je travaille, etc. Comme je l'avais dit l'année dernière, la même chose, bref, voilà, faut que je travaille et j'ai pas trop le choix, hein. Pour ceci, je dois stopper les jeux vidéo, enfin stopper, ralentir fois 100% les jeux vidéo, et c'est pour ça que ben je vais un peu stopper. Donc je joue au Spam 12 sur ce gameplay, un fusil à pompe que j'apprécie particulièrement, car c'est sur cette map c'est une tuerie, hein. Faut le dire, cette map c'est une map à fusil à pompe, et je trouve vraiment stylé. Je sais pas si vous le trouvez beau, mais moi je trouve franchement les graphismes assez beaux pour un jeu iTouch, c'est vraiment le plus beau jeu iTouch sur lequel j'ai joué, même s'il y a Modern Combat 3 qui est sorti. Je compte d'ailleurs le télécharger, hein, je vous le dis. Là je suis deck, j'aurais pu faire une double feed mais je l'ai loupé, c'est dommage. Et donc voilà, hein, je compte télécharger, acheter le nouveau Modern Combat qui est sorti il y a quand même plus de 6 mois. Et je compte vous faire une vidéo dessus, donc je sais pas, hein, je verrai bien. Parce qu'il s'avère que j'avais pas vraiment accroché, parce que je l'avais pas acheté, je l'avais téléchargé pour tester. Hein. Souvent je télécharge les jeux illégalement, enfin voilà, illégalement c'est pas bien, waouh, super, je télécharge également et après je les achète s'ils me plaisent, comme j'ai fait avec Minecraft, je l'ai téléchargé illégalement et après je l'ai acheté parce que c'est Minecraft hein, et je voulais vraiment y jouer dessus, et il s'avère que j'avais pas vraiment accroché, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, c'était pas un jeu qui m'avait tilté, ce Modern Combat 3. Bon là on peut voir que je me fais littéralement dérouiller à la fin, parce que la grenade dans ce jeu est quelque peu cheatée. Et il s'avère qu'on fait des carnages avec la grenade. Vous pouvez voir que je la lance souvent, ma grenade. D'ailleurs, j'en ai 3. C'est avec les atouts, hein, faut en profiter, vous en avez plein. Voilà, c'est un bon jeu. Il n'y a pas beaucoup de trucs cheatés. Moi, je vous conseille vraiment, vraiment, mais vraiment de l'essayer. C'est un très, très bon jeu. Vous y passerez de bonnes heures, car voilà, quoi, il est bien fait, il est bien... Vous retrouvez les mêmes sensations que quand vous êtes sur votre ordi ou votre PS3. Donc la partie est finie. Moi, je vous propose qu'on se retrouve une prochaine fois. On se termine sur un petit 11-8. Hein. C'est pas un score énorme, mais c'est quand même bien et j'en suis fier. Bon, moi, je vous dis salut et à la prochaine. Bye.